Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Iron News. L'heure du débat est axée aujourd'hui sur l'industrie hippique. Nous avons le plaisir pour accueillir sur ce plateau Mourad Kiapa, consultant hippique. Nous avons également Ravi Rawa, ancien jockey, ancien assistant-entraîneur qui fait une longue carrière dans le monde hippique. Nous avons le plaisir pour accueillir également sur ce plateau Guillaume Première, qui est analyste, ancien propriétaire de chevaux. Et bonsoir à tous les internautes. Suite à un récent article de presse sur l'arrêt possible de la saison 2021, les membres des boards du Mauritius Turf Club et de la MTCSL, ainsi que le management, Zofin décide pour une réunion aujourd'hui. Et suite à sa réunion-là, Zofin tient un communiqué Mourad Kiapa. Zofin prend connaissance de sa communiqué-là et un premier commentaire, là. Qui ou réaction? Bonne prend connaissance, bonne liaison de communiqué. Bon, c'est qui se peut rouler. Le but de cette réunion, je pense qu'ils ont essayé de trouver une solution, une façon pour qu'ils puissent continuer les courses jusqu'à la fin de saison, qui est bien difficile. Mais je pense qu'en fin de compte, le communiqué, c'est plus axé sa réunion qu'ils ont rodé, sa rendez-vous qu'ils ont rodé avec le Premier ministre pour qu'ils soient capables de discuter. D'ailleurs, le Premier ministre fait une référence à ce senior advisor qui m'a pensé, m'espérer qu'ils ont gagné le rendez-vous très bientôt au Vinay. Écoute, également, Ravi Rawa, Oufine prend connaissance de sa communiqué MTC, MTCSL-là. Un premier commentaire, Lola? Oui, moi, ce qui me comprend, le communiqué-là, c'est qui et le board des MTSL, c'est qu'ils ont viennent une réunion avec l'autorité, question, et je dis qu'ils ne sont pas pour qu'ils continuent les coups sans public, à cause, comment tout le monde connaît, frontières ouvertes et majorité ban activité devient un petit peu normal et je crois qu'il écoute aussi pour capable ban public venir. Nous pas dire en grand nombre mais quand même et un certain ban timoun, c'est qui monde comprend et à cause de trouver qui sans public qui difficile, je pas même break even et je perds dans faillite à cause du normal, je peux besoin et dans les coûts, je peux besoin payer ban state money et peine à l'argent rentré. Et voilà ce qui m'en comprend. Et là, je gagne rendez-vous avec le senior advisor du Premier ministre. Et peut-être après ça, et peut-être je peux trouver une solution si ben jour à venir. Enfin, pas pour gagner rendez-vous avec je le Premier envisage ça. Voilà. Et mon pensée, c'est que je peux essayer de trouver une formule qui est capable d'amener un certain nombre personne au champ de mars avec certaines bonnes conditions. Ce qui me croit, c'est qu'ils peuvent demander. Voilà un petit peu. Mm-hmm. Écoute également Guillaume Premier. Et pour moi, vous pouvez vous dire ce qu'il m'aura dit. Moi, pensez, je pense que tout va une solution. Une solution à la mer parce qu'à chaque fois, ce qu'ils nous apprennent, c'est que je ne vais pas à cause de violon des deux côtés, voilà, le gouvernement et le club. Mais malheureusement, le public tier fils, et si je parle, c'est à cause de violence, c'est le public tier fils, les employés, tout un engrenage qui peut perdre à la fin de la saison. Voilà. Mm-hmm. Mais plus grande question qui tout bon internaute, surtout bon tier fils, du tout connaît qu'il y a les Maurice, l'industrie hippique, depuis 209 bonnes années, quand nous pouvons compter. Tout ban dimoun à l'île Maurice c'est ban passionné, enfin la majorité ban passionné, je suis content qu'être les courses. Qui finit arriver, comment nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation pareille, Mourad Kiapa? C'est plutôt, comment Ravi a habité dire, c'est mauvais capitaine. On est tout à fait dans une direction. Tout à fait dans une direction, bien dimoun qui guide lui. Je pense que la direction n'est pas bon, parce que le vrai qui nous peut vivre le Covid pendant presque deux ans. Mm-hmm. Mais quand même, il ne fallait pas oublier qu'il y a une histoire de 209 ans alors hier. Alors, si dans deux ans, le club peut déclarer faillite, il y a Pénacas, Pénacési, Pénacéla, pas peut faire ça, pas peut faire l'autre, il rentre en litige, il rentre en conflit, il n'est pas capable de l'accompagner, il enregistre au registre comme organisateur des courses, il trouve le point des aiguilles, quand on vit, il est capable de dégringoler. Mais nous devons comprendre qui fait un arrêt ça. Le qui fait, c'est la direction. Parce que quand nous guettons les courses, avant, il y a une innovation. Nouveauté, il y a. Le club, comment rester, il reste comme ça même. Même des gens, il y a une nouveauté, il y a un changement. Il reste entier à eux-mêmes. Aujourd'hui,
je trouve un book, je vais apprendre un nom, je pense que M. Lichin, il nous vient un centre à Balaclava pour l'entraînement des chevaux. Mais c'est une innovation. Il fait SMS pour ya. C'est une innovation. C'est, il permet de ne pas en grand nombre. C'est une innovation. Qui tu besoin? C'est un club qui tu besoin faire ça aujourd'hui. C'est un club qui tu besoin faire ça. Ok, il y a un changement. Mais malheureusement, il n'est pas fait ça. L'histoire, ce qui nous apprend, reprend le sens qui fait les autres jours, c'est que le Teufleur, il donne la sens à les autres, alors qu'il est l'organisateur des courses. Le Teufleur, tu es capable de venir beaucoup mieux aujourd'hui. Mais pas de training. Je suis capable de venir training, de dire au Floréal, oui, oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça commande? Mais si vous pensez, c'est le rôle de Mauritius Teufleur. Oui, oui, c'est le rôle. Il organise les courses. Il vient dans ce même sens. Tu viens dans tout ce monde d'infrastructure, ce n'est pas les autres du monde qui viennent faire ça. Non, pour cause, pour faire bookmaker également. Mais oui, c'est un club qui est supposé dans tout. Une compagnie comme Matot, par exemple, c'est un club qui est supposé dans tout, dans toute bonne juridiction, dit comme ça. Mais malheureusement, ici, les autres du monde, mais par contre, ils ne sont pas coquins. C'est une demande, ils ont gagné. Mais un club aussi, tu as demandé. Aujourd'hui, tu vois un casino, une nouvelle au milieu de San Mos. Ils demandent de gagner. Mais tu as fait un petit de monde. Il n'y a pas de problème, ça. Mais je n'ai pas fait. Je peux dire, en gros, je paye dans l'innovation. Je n'ai pas innové. Je reste là et je te stick to it. Ça, c'est ça le problème. Vous pensez qu'il ravit ou d'abord, moi, c'est qu'il m'avait dit. Justement, nous pose où Ravi Rawa, au fil de 30 ans, quand même, on passait dans l'industrie-là. Oui, Vina et moi, les courses des 109 ans existent. C'est ça, comment dire, l'histoire. Mm-hmm. Mais il ne fallait pas nous dire que dès 109 ans, MTC organise les courses. Si nous, dès 100 ans avant les courses, si comment dire, ban colonel, tu peux amener des trois chevals, venir galoper dans son démos, les courses, tu n'es pas comme aujourd'hui était. À l'époque, les courses, si comment dire, il y a un patrimoine, et à l'époque, ban colonel, tu fais les courses pour gagner une activité. Je suis côté de l'endroit que tout le monde t'y joigne. Et surtout, tu as une activité, tu as une place que tu réunis, tout le monde vient dans son démos. Et pas tu as aussi une activité comme il a aujourd'hui. Ouais. Des fois, nous devons accepter. Nous retenons 150 ans. Nous retenons à cause de 150 ans. Nous avons gagné 50 ans. Moi, je me dis, dernier 35 ans, qui me connaît les courses, 32 ans, 33 ans, je suis là-dedans. Moi, innovation, moi, dans 30 ans, je ne trouve pas toutes grandes affaires comme innovation. Infrastructure, ici, comment dire, quand il y a un trou qui amène un petit peu de ciment, bien bousli, la piste aussi ne reste presque pareil, pas capable ni une pour grandes affaires, la piste l'herbe aussi ne reste même grandir, l'herbe là, il est poussé par lui-même. Right. Avant, tu gagnes 26 journées les courses, nous ne payons que 30 ans d'ici là. 20 ans d'ici là. Aujourd'hui, nous gagnons même, nous gagnons 40 journées. Et qui fait une bizarre faire 40 journées à cause, pour comment dire, à cause des pensées, mais plus. Mm-hmm. Il gagne plus beaucoup de cheval, il gagne plus beaucoup de travailler, il commence à se faire mal de machine, et tout ça, il commence à coûter l'argent. Frais de cheval, il commence à coûter beaucoup. Mais après, arrive un boom des derniers 10 ans, quand nous gagnons beaucoup de jeunes professionnels qui viennent dans les courses. Ouais. À l'époque, tu gagnes une grande personne qui est passionnée. Pour jouer les courses, donc, il n'est plus dans sa passion, non? Non. Il est non, mais je suis capable de dire 75%, il n'est plus passion. Il est du côté betting. Il y en a plus que de betting qui passion. Mais ça, si 25% qui est là, ça aussi, il commence à diminuer. Ouais. Et aujourd'hui, qui fait ban jeune, ban trois corps, ban professionnel qui peut venir dans les courses, c'est ban qui compte un petit peu être aux autres dans le programme, tous autres dans la télévision. Ouais. À cause aujourd'hui, les courses, c'est un entertainment aujourd'hui. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, qui est arrivé, et il y a des affaires qui vont pour partager. Moi, 30 ans de cela, il y a des affaires qui ne restent pas. Vous connaissez, Mauricien vient en terrasse, Mauricien compte en changement. Ouais. Aujourd'hui, nous prenons l'exemple de Ban Mall qui est dans Maurice. Où vous trouvez, à l'époque, il y a Jumbo. Même au Jumbo, aujourd'hui, il y a Bagatelle, il y a Bagatelle, il y a un codant, il y a un codant, il y a dans Flac. Et il fait mon goût, un beau plan, il y a content de nouveau, il est content de voyager. Mais sans démence, je ne pas vous dire qui. L'île reste pareil. Il y a le patrimoine, il y a une place qui est identique, ça. Tout le monde content. Mais c'est moi, Mauricien content, évolue. Il dit, tu content beaucoup dans l'entertainment, plus encore. Ben oui. Et comment dire, et ça va nous faire là, pas n'improuve. Et les questions aujourd'hui, nous donnent une situation financière grave, mais des fois, nous devons poser nos questions qui faire. Mais ça, pareil, comment dire, où il y a un bateau,
qui est dans son capitaine, qui est dans tout son bandimoun, qui est dans son maintenance. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Mourad qui n'est pas qu'on peut dire capitaine pas bon? Gete, vous pas pour dire capitaine pas bon, mais peut-être il ne sens trop beaucoup capitaine. Ça aussi, oui. À cause, vous connaissez, chaque capitaine, il vient, il amène, il dit, mais pas dire sa direction là, l'autre capitaine vient, il dit sa direction là. Là qui arrivait en fin de compte, bateau là, il n'est plus connu que les pieds. Il vient l'envie. Et à ce temps-là, il y a des gens qui peuvent contrôler, qui peuvent travailler, qui peuvent faire des petites affaires. Mais je peux faire des affaires comme un business. Arrive un moment, je ne sais pas connaître que je peux aller. Les mêmes qui, comment dire, tout le monde découragé. Vous comprenez? Et aussi, je vous dis, quand vous pouvez causer les courses, nous causez c'est mal. Si vous pouvez c'est mal, vous ne pouvez pas faire les courses. Vous pouvez capable organiser, vous pouvez avoir un meilleur CEO, ce qui nous amène. Pas dire que vous n'avez pas étranger, vous n'avez un CEO. Mais des années après, il y a des. Et lui, il dit qu'il n'est pas capable. La Maurice est différent. Il n'est pas comme en Afrique du Sud. Et il pas que ce qui fait aller parce qu'il il y a l'autre. Si il y a l'autre, ça c'est oui, c'est un peu triste à cause vous remarquez. Moi, c'est qui me suivent un peu en général. Mon cas existe dans les courses souvent, mais mon lien à l'actualité, mon cas connaît. Quand les autres nous prend 10 ans, nous gagnons ban président comme Jubin Mervin. C'est Ben Dimon qui est visionnaire. Ben oui. Il tient en vision. Il peut même, comment vous dire, il envie d'amener un nouveau champ d'entraînement. Ben oui. C'est bonnes affaires. À l'époque, je me rappelle, même Giro, quand il venait, il tient envie de faire un nouveau. Nous avons 10 ans avant, il tient envie de faire un nouveau centre d'entraînement. Ouais. Un nouveau place. Mais après, les dames, ils n'ont pas abouti à ce qu'il y ait Ben Dimon qui met le bâton dans la roue. Ben oui. Après, on a un ben président comme Michel Glover. Moi, je me rappelle, on a M. Béguéillon, Maxime Zeuzier. On a M. Hillcock. Mais malheureusement, tout ça, ben dit, là, aujourd'hui, je ne disparais pas trop vite. Alors qu'aujourd'hui, on dit nous clip. Mais nous clip, c'est tout ça, ben dit, là, tu viens. On peut dire qu'il y a beaucoup de Zimoun qui sont passionnés, Ravirawa, qui peut prendre distance avec oui, les courses, avec prend distance. Beaucoup de Zimoun sont passionnés qui t'ont investi gros. Oui, ils ont compté dans les courses, ils ont investi énorme, ils ont été trollés, ils ont été bonnes affaires. Moi, dernièrement, l'année dernière, j'ai joué un gros propriétaire. Un gros qui est dans l'écurie, qui est dans tout. Moi, je dis, il y a un club vacant, nous allons déjeuner, moi, je dis. Mais depuis loin, il y a tout. Moi, je dis, reste loin, allez. Mais il dit, moi, il n'est pas capable de sentir les courses. Ça veut dire, même moi, il dit, moi, il n'est pas capable de sentir moi comme beaucoup dans les courses. Mais dans ma dynase. Mais c'est Ben Dimon qui t'y investit beaucoup et non, Jodine perdit. Lui, c'est dans un gros propriétaire comme on dit 500. Tout n'allait. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler pour un gros propriétaire comme Cessinienne. Tu investis beaucoup et tu comptes dans les courses, la passion, tu amènes ça plus ça, tu peux aider l'industrie. Pas fini, tu fais des sponsors pour ne pas le freiner, c'est ça. De plus. Nous gagnons beaucoup de monde, nous gagnons beaucoup de personnes qui t'investissent. Et je dis, un autre problème, ou bien un sponsor, c'est un gros problème. Je dis, quand on fait des sponsors. Sponsor fait diminuer. Pénant. Avant, nous avons un sponsor comme Air Mauritius. La grande compagnie de nos pays, tu peux sponsor les courses. Benen. Oui, c'est non. Mais aujourd'hui, nous payons. Nous sommes dans une grande compagnie, Sun Resort, tu peux sponsor les courses. Aujourd'hui, nous payons. Et la bière, et Coca, Pepsi, Coach. La banque, Coach. Mais aujourd'hui, quand on paye un sponsor, on a moins d'argent gagné qui rentre dans la caisse. Aujourd'hui, on peut bien faire un petit propriétaire, un petit compagnie, mais il n'y a pas assez. Ça aussi peut faire un gros impact. Le bilan financier du MTC. Mmh. Écoute également, Guillaume Première, est-ce que vous partagez les avis de Mourad Kirpa et Ravi Rawa? En partie, je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'à chaque fois, quand nous avons. Nous pas besoin d'aller loin. Nous prenons 5 dernières années. Mmh. 5 dernières années qui nous passaient au Manchester Club, c'est. Et je ne sens président chaque 1 an. Donc, si vous êtes bien. Il n'y a aucun bilan comme ravi avec Mourad India. Il n'y a aucune innovation. Je pense personnellement, je viens là personnellement pour comme si dirait, une certaine idéologie. Je élabore un petit peu là. Si vous êtes bien, et dans les Manchester Club, il y a tout le temps ces affaires mot-club. Vous comprenez? Et vous trouvez, chaque fois qu'on a une élection générale, vous trouvez des clans. Vous comprenez? C'est Ben Dimon qui pas venu avec une idée pensante pour venir pour dire bon, aujourd'hui, avec le club, nous pousser à mener. Parce que si nous gagnons bien, nous comparons Hong Kong. Hong Kong, Hong Kong, c'est aujourd'hui, ça fait génial beaucoup de cas avec son industrie pique. Et si vous êtes bien, Maurice aussi, nous tenons ce potentiel-là. Moi, c'est nous 5 dernières années qui nous tient là.
nous sommes capables de gagner plus beaucoup parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'une situation comme ça. Si aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un groupe gauche, droite, quelque part, bandi moun ki vini ki à la tête du Moses Surf Club, mais je parti n'a aucun la tête pensante pour amener ça club là assez haut. Je ne vina personnellement pour prothèse X, pour prothèse Y. Vous pouvez comprendre? C'est qui peut passer et si aujourd'hui nous trouvons nous dans une situation qui nous m'a dit nous n'est plus connu que pour aller et quelque part c'est des autres fautes. Hein. Mm-hmm. Mais quand nous guette aussi communiqué qui MTC, MTCSL fin tiré, je peux dire que la situation reste difficile à cause de la pandémie. Donc je peux aussi dire qu'il nous peut vivre dans un contexte sans précédent, nous dans une période de crise sanitaire. Est-ce qu'il nous a permis de tout à faire les deux Covid pour être capable? Vinay, quand même, tout ça, on a un travail là, on casse à côté. Des ans Covid, pour couvrir, disons, 50 dernières années de travail, c'est difficile pourquoi. Donc, vous êtes sceptique là, ça. Vous êtes sceptique là, parce que quand vous trouvez dans certaines zones, vous avez le taux 9 de. Pas mentionné, bah non, mais. Non. Quand vous trouvez dans certaines zones, vous avez le taux 9 pour le moment. Et vous dites, ok, vous pouvez faire ça compter le déficit là. Bon, regarde ça. Pour être net, on comprend que sans public, sans tu office, c'est difficile. C'est bien difficile pour qu'il. Une institution qui sont revenus venir au public, c'est difficile. Mais comme on aurait dit, c'est la faute de Banda même. Mais maintenant, la situation côté de là, c'est qu'il est triste. Il est triste parce qu'ils avaient retenu tout dans la main. Il n'est pas menti, il est tout à fait nouveau, Maurice. Comme on dit dans l'interview la semaine dernière de Ryan News même, qu'il y a là où 800 000 du monde vaccinés et venus. Pas tout nouveau. 700 000 du monde finit faire des doses. On ne peut pas croire que parce qu'il n'a pas ouvert les courses. Avec certaines conditions, et avec bon respect, bonne condition sanitaire, je pense qu'il n'a pas ouvert les courses. Mais il y a un bâton dans la roue que je peux organiser les courses par eux. Le problème, c'est que le frère est dans une situation difficile par manque de public. Et c'est un monde qui attend. Qui arrête d'organiser les courses pour qu'ils soient en lit. Mais ça même qui m'a dit dans l'interview là, c'est que si un club arrête les courses à ce temps-là, il peut mettre même d'autres. Il peut mettre même d'autres. Parce qu'il y a des organisateurs, s'il était convaincu avec. S'il était convaincu. Parce que je ne sais pas si on prend connaissance de ma poste qui est là, ce qui est available dans HRD. Si vous donnez un poste là, vous pensez qui c'est qui m'a posté là, man dit qui peut travailler dans le club là. Mais tout peut aller. Tout peut aller. Parce qu'il y a un starter, style. Tout peut aller là. Vous avez plein, j'ai mal. Tout peut aller là. Mais c'est votre faute en tout cas. Mais c'est moins bon. Les tristes qui vous trouvent dans une situation comme ça, parce que quitte moi. Moi, quand je fais dans les courses, mais c'est quand même. Merci au Turf Club. Mais au 10 août, c'est sa situation. Maintenant, si je mets ma situation, quand je trouve que je trouve au 10, c'est pas votre faute. Parce que je n'ai pas innové. Ma habitude, je n'ai pas innové. Je n'ai pas l'esprit pensé. Quand on trouve un 10 mois, il peut travailler là 30 ans. Il peut prendre un flair rose, il peut mettre là, il y a deux semaines, il y a un mètre rouge, deux semaines, il y a un mètre. Donc, ma habitude, il peut être un visionnaire aujourd'hui. Il peut être un visionnaire. Un 10 mois, 25, maintenant, il existe juste l'entrée d'un programme officiel, quand on est sur bilan, il y a un bilan. Mais comment voler le Turf Club progresser? Nous posons même question à Ravirawa. Est-ce que vous êtes d'accord, comme Andy Moon peut dire, bien sûr, la situation reste difficile, mais vous pouvez remettre tout l'eau les deux Covid? Définitivement, Covid, il nous gêne l'impact dans, pas juste dans les courses, vous pensez que Covid, il nous gêne l'impact dans toute la vie, tout du monde. Et surtout, il ne faut pas nous guérir les courses, nous inquiéter, puis en général, que nous passions vivre les courses, nous sommes dans une activité touristique. Nous, l'économie passe dans les courses. À cause des affaires qui nous besoin comprendre, les courses, ce n'est pas une l'industrie, ce n'est pas une industrie, comment dire, un produit consommation. Oui. Au départ, nous faisons les rires. À cause d'aujourd'hui, nous besoin d'être la situation comme telle et quelle, à cause d'Andy Moon, qui, dans problème financièrement, dans le travail, il n'est pas pour prendre son casque, pour jouer. Il est pour être plus sous famille, manger. À quoi, moi, prends-tu l'exemple, parce que j'ai un camarade qui vend poulet,
Li dit moi à l'époque normal avant Covid, li tu peux vendre 100 poules par semaine, aujourd'hui li peut vendre 10 30. Ça veut dire la même infini montrer au qui dit moun pas dépenser. Astéa définitivement dit moun n'a pas pour jouer. Même moi même public dans les courses, dit moun là, li pas pour jouer sa quantité là. Allez, quelque part nous dire Covid et ça des ans là, il bloque un petit peu la situation qui mais seulement faudrait pas nous penser faudrait pas nous dire si Covid à cause 3 ans 4 ans de c'est là Turf Club tu peux dire chaque année il tient un déficit. Exact. Un déficit pourquoi déficit à cause comment m'aurait dire tient un manque de sponsorship à cause quand on tient un gros sponsor tu peux sponsor les courses je tu peux couvrir man frais et aujourd'hui MTC il peut viser tirer l'argent dans sous la caisse dans son fond pour les sponsor les courses pour les payer man dépenses et aujourd'hui. Et moi, je me trouve une petite affaire qui, et sa situation-là, il devient grave à cause, nous calculons, nous, 3 ans, 4 ans, d'ici là, pas tient beaucoup de chevaux. Tient un ban de cheval, tu peux moins vin Maurice. Là, ban de dernière année, même, on peut dire, dans Covid, qu'il n'y a plus beaucoup de cheval. Ouais. Mais seulement 3 ans, d'ici là, pas tient un cheval. À cause de situation qui arrivait, quand pas tient un cheval, et ban propriétaire, je pas tient pas équipe. Mais quand ban propriétaire pas pas équipe, il vient un problème pour ban l'entraîneur. Et Aster, dépensant, il y a un domino, ça. Oui. Et il vient accumuler, accumuler, accumuler. Et aussi, malheureusement, dans Maurice Lynn, comme ça, d'ailleurs, l'année dernière, je fais une interview dans le journal, je dis, MTC, business sans ce business model. MTSL, je dis, organise les courses. Il vient organiser les courses. Je dis, MTSL, sans dernière année, li, c'est lui qui paye mon staff. Ça veut dire, man palfonier. Et la paiement par fin, il coûte une grosse somme d'argent, il coûte beaucoup casse. Mais vous imaginez, tous les mois, il besoin de 4-5 millions roupies pour payer les travailleurs. Et si, comment dire, et après, vous pensez avec les temps qui pour venir avec l'année prochaine pour changer, si Turf Club, il pour, comment dire, il laisse les équerries responsables de les travailleurs, peut-être ça casse ça pour rester. Quand il pour gagner l'argent, les là, il pour augmenter cette monnaie. Je vous dis, le problème là, c'est un problème domino. Les gens ban affaires moi mon gagne l'occasion assis ban l'équerie mon gagne bilan financier d'équerie comment il est difficile aujourd'hui occuper un cheval il coûte casse se manger se dépenser se travailler se l'autre il coûte beaucoup d'argent comprends ça veut dire problème là c'est pas juste MTSL problème là c'est en général en global propriétaire même pénacasse l'entraîneur qui coûte l'argent pour rouler jeter l'équerie mais comment vous dire c'est un problème. Et je pense que le business prend en considération, assisé, tout le monde, les stakeholders, mettre la table, pose une question, qu'on est capable de diminuer les dépenses. Voilà un petit peu ce qui, moi, analyse, ce qui vous fait trouver dans les dernières 5 années. C'est déjà fait ça, en 2014 ou en 2015, ravi. Mais malheureusement, c'était 10 petits monde qui occupent la piste, qui savent là, qui se mettent des hauts. Tu fais juste aller, les part-timers, tu fais juste aller. Mais le gros dépense, pas de faire. Ravi. Nous connaissons qui le bilan financier MTC, tout l'année, il montre des faits. 5 millions, 3 millions, 8 millions. Mais le problème. Quand nous chiffre officiel, avant Covid. Mais qui, quand on commence à faire des faits une année, deuxième année à suivre, mais qui fait? Qui changement il a mené, comment a vu le business model? Mais pas de changement pour qu'ils aient qu'à faire profit. Là, le Covid, il tape comme un gros bateau dans le clip. Je trouve ça dans nous. Parce que nous avons pour élever difficile et pour gagner certainement du monde qui peut entier le club pour qu'ils soient capables de découvrir. Mais le club n'est plus enterré. Mais si vous d'accord ou Guillaume Premier, qui nous arrive dans une situation pareille à cause de la pandémie? Quelque part, nous ne pouvons pas mettre tout la pandémie. Hein? Parce que si nous avons ces 5 dernières années, nous revenons tout le temps les 5 dernières années. Et pareil, comme nous avons dit, qui bilan, qui bilan le MTC en elle-même, l'inaméné. Et comme moi, je dire, si nous avons tout le temps MTC, je suis en déficit. Par contre, les temps, bon, mon corps, tout le monde au courant, nous tournons toujours dans la presse, qui M. Giro, tu viens dire comme ça, qu'il lit les temps ici dans Turf Club, il y a un profit de 9 millions, quelque chose comme ça. OK? Mais les temps qui tient, mais pas devant, mais qui n'arrive pas? Qui ça ban dit moun qui n'assi dans la présidence, qui je ne fais? Non ni. Si nous avons une juridiction comme Hong Kong, comme Singapour,
je suis un peu plus prévoyant que je ne fais. Je commence à innover au Ban Paris, par exemple, et le Internet betting. Que nous ne pas innover du tout là-dedans. Nous ne pas faire non. Est-ce que vous pensez, valeur du jour, online betting? Mais tu pourras porter un revenu en plus. Non, mais pour le moment, online betting est illégal, Maurice. Online betting est illégal, mais pas tu coûtes non, qui le plus demande un SMS voilà, betting. Voilà. Et je peux quand même, moi je peux mettre, je peux rapporter. Non, mais même online betting, qui fait l'illégal à l'île Maurice, qui fait pas de travail. Non, ça c'est la loi qui est l'illégal. Non, mais c'est pas encore. Je ne sais pas travailler là, mais malheureusement, je ne travaille pas. Une affaire gouvernementale, un petit problème qui n'a pas pu réussir à aboutir. Ça, ce n'est pas une affaire aujourd'hui, c'est une affaire depuis 2009-2008 qui commence à causer là. À l'époque, je me rappelle, c'est un poyas.co.uk qui est mon camarade, Canen, qui fait travailler là, malheureusement, lui-même, il rejoint Manaz aujourd'hui. Et c'est ce soir, mais me respecter sur ce gros travail qui ne se fait pas derrière, je peux montrer qu'il a enregistré le même compagnie, je peux travailler ensemble. Mais à la fin, tout ça, il fait montrer que ça est légal, ça est légal, ça n'est pas là. Mais à la fin, il n'aurait pas abouti. Mais est-ce que vous pensez qu'online betting, tu es capable de régler un petit peu le problème qu'il y a? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'ils ont dit, Maurice a joué le site international, malheureusement, il n'a pas apporté aucun revenu au TEF. À l'État. Ni au TEF. Oui, exactement. Moi, je pensais que le TEF, tu faisais demander. Parce qu'ils ont dit, ils divisent le 5%. Le taux donné 5%, le bookmaker donne 10% de la plus. La peine d'un bookmaker, le PMP sur le taux de 7%. Et là, les deux taux finissent faire, maintenant qu'on est, qui ne sont pas capables de donner les 2% en plus. Là, je trouve que c'est une situation plus difficile encore. Exactement. Nous, parce que Internet betting, online betting, nous ne sommes pas capables de faire un phénomène qui appelle illegal betting à l'île Maurice, un bookmaker clandestin. Et comment ça peut affecter l'industrie hippique même? Et est-ce que vous pensez que ça, c'est une raison qui fait aujourd'hui nous retrouvons dans la situation là, l'industrie hippique peut retrouver dans une situation pareille, Ravi Rawa? Je n'ai pas envie de commenter l'illegal betting. Je n'ai pas trop demandé de faire betting, mais sinon, je connais pas l'actualité, je lis. Et là, je suis Michel Giraud, depuis qu'il est président, il est comme président MTC, et il cause, il dit l'illegal betting, c'est ça le poison. Et mon papa j'ai dit oui et mon papa dit non. Pourquoi? À cause qui me connaît un petit peu de 30 ans, mon vécu, mon connu ban camarade, ban propriétaire qui est bookmaker, j'ai une propriétaire et mon écoute je cause un petit peu. Vous connaît le betting illégal, c'est qui nous dit le téléphone et manque d'un petit bout de papier, pena cash involve et c'est ça qui n'existe tout le temps ça. Qui n'existe tout le temps, l'hypo existe tout le temps à cause d'ailleurs tout le temps nous dire ban gros propriétaire qui jouait gros. Je parle dans son démos, code bookmaker, je prends 10 000 roupies, je te joue. Ça veut dire que je peux bien jouer avec illegal betting le téléphone. Ça veut dire, ce problème-là, moi, par quoi, il y a un problème qui, c'est ça qui peut cause la situation actuelle. Et online betting, tu ne peux pas régler en partie, bien sûr. Vous connaissez online betting. Bien connaît sa compagnie online betting-là. Est-ce qu'il vous connaissez, vous pouvez mettre une compagnie qui vous dit, vous avez un système, vous avez un super tot, vous avez tout les PEP, vous avez un SMS pour vous, mais ça m'a dit, vous avez déjà joué avec vous, mais est-ce que vous pouvez contribuer? Vous connaissez, vous contribuer dans la caisse. Mais, bien sûr, vous avez une question, mais comment vous pouvez dire si MTC à l'époque, l'ITI décidé lui-même, il y a une compagnie betting qui est non comme en Afrique, en Australie, qui me connaît la personne qui est bien, et je suis capable de dire, je suis actionné là-dedans. J'étais à 30% action comme propriétaire. Ça veut dire de turnover, ça l'argent là, mais il peut venir dans la caisse de l'organisation qui peut organiser les courses. Et là qui arrivait, où organise les courses, où qui gâteau là, après en fin de compte, ben, tout le monde qui peut prendre, peut manger, peut partager et peut organiser, il n'y a pas gagné, il gagne juste la crème là ou là, ça c'est, vous connaissez quand on trop beaucoup d'eau, un diabète. Mais c'est ça, cette situation là est vraiment grave. Comment nous pouvons faire un débat, nous pouvons causer, mais nous pensons que nous avons des gens qui sont assez intelligents, qui dans MTSL, nous avons dit que c'était le trou là, c'était le problème là. Mais illégal betting, il n'y a pas sans grandes affaires. À cause de moi, tout le temps, je vais apprendre, ça petit des gens qui viennent jouer ce petit 100 roupies, ce petit badia, payer sur l'entrée, c'est ça même l'argent qui fait les courses. Là, la vie d'une affaire. Moi, je n'ai pas envie de jouer au la vie d'une affaire qui. Le président, quand il est au pouvoir, là, il dit qu'il fait ce cheval de bataille, le illegal betting. Cause... Rappelle sa déclaration. Oui, mais il cause beaucoup l'illegal betting. Et comment Ravine dit? Il est difficile d'arrêter ça.
Là, on prend du monde, un ancien inspecteur, mettre dans un club pour arrêter le legal betting. Comment on fait ça? Tu payes un book tous les mois, non? Hein? Ou bien tu as diminué les dépenses. Comment on fait ça? Là, les gens vont demander du monde compétent. Pas la guerre, demande affecte pas pour capable. La guerre, donc, c'est qui capable. Rôle du droit. Connais-moi pour organiser les courses. Connais-moi pour suivre mon tour des fêtes. Qui nous veut vous faire? Qui plus vous amener? Donc, dis un membre club. Qui est gagnant et tout quand il est payé la fin de l'année, ravi? Qui est gagné? Non, il n'est pas gagné. Quand on paye au badge la fin de l'année, 15 000 roupies, qui est gagné avec ça? Non, il est. Qui bénéfice tout cas de 8 heures, la fin de moi? Je sais pas. Voilà, on a le placement de la ferme. Non, je ne vous pas intéressé. Oui, après, je rebondis sur ce petit point-là. Vous connaissez, nous disons, oui, non, ban membre à vie au Turf Club. Ouais. Après, nous ban membre associé. Moi, je suis membre associé. Et depuis 6 ans, je paye à peu près 13 000 roupies par l'année. Et comment on dit, moi aussi, même moi, un entraîneur, assistant entraîneur, un petit starter, je paye. Mais je ne expecte pas rien et tout. Je me dis bien, je peux contribuer. Ça veut dire moins de membres, moins d'associés du Mauritius Turf Club. Par exemple, là, je trouve un concerné qui est dans une situation difficile, à quoi je peux venir contribuer, partager un petit peu mon expérience qui est capable d'aider l'industrie. Là. Par exemple, il y a un membre à vie, je ne veux pas payer, mais je dis je club ça. Ouais. Mais ça aussi, si c'est une situation, si vraiment ça m'a dit que j'ai une volonté dans je envie d'aider le club, connais, il paraît comment nous sommes capables de payer 13 000 roupies, mon pensée, 10 000 roupies. Si je suis capable de donner, ça, tu peux une aide. Nous ne pouvons pas dire un an, nous dire 10 dernières années, si ça m'a dit que nous contribuer. Je dis, ça, 50 millions, là, pas tu peux un problème. Même avec Covid, tout à l'heure, comment dire, comment nous tu peux ramasser l'argent, c'est ça même. Mais ça même, c'est ban capitaine, ban la tête en haut, ban leadership, si tu es capable, amène ça, ban l'idée là. Je dis, nous ne pouvons pas tu peux une situation pareille. Après, vous connaissez, il y a beaucoup de choses qui est capable d'amener pour aider l'industrie. M'aurait dit, les courses, l'industrie, c'est un patrimoine. On nous venons, Ravirawa, l'oban solution, bien sûr, nous causons là à la fin de l'émission. Mais on écoute Guillaume Première. Quand on écoute Mourad Kiapa et Ravirawa, il paraît que je peux dire que betting illégal, c'est une bataille perdue d'avance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, perdue d'avance, nous avons commencé, quand l'on a commencé aussi. Parce que si nous guettons bien, il reste 7 journées pour terminer la saison. Est-ce qu'il réussit et trouve solution à ça illégal betting? Un petit solution. Surtout qu'il peut être dit, nous n'avons pas conscience de ça. Exactement. Nous prenons un plan qui peut faire pour combattre illégal betting. Ce qu'il y a, nous t'en dis, et nous pour combattre, mais qui nous peut faire pour combattre? Vous pouvez comprendre moi. Nous n'avons aucun. Vous pouvez dire qu'il y a un action plan. C'est juste. Toutes les décisions qu'ils prennent, ils sont en bilan. Voilà. Ils font une affaire, oui, mais ils prennent un bilan. Quand vous venez pour des yeux, vous oui, nous faisons ça, mais qui bilan? Ils prennent un bilan. Parce que si vous êtes bien, et je retourne à la présidence, la présidente, dit, et je essaie assise avec la GRE pour trouver une solution, mais la durée, il n'est pas présent, il a envoyé l'aide, il a envoyé ici, il a envoyé là-bas. Mais, bien connaît qui fait, bien connaît pour qui raison, sa déorganisation, je parle, mais à cause de violon. Vous comprenez? Nous causons aussi le Horse Racing Division. Est-ce que, selon vous, Mourad Kiapa, ça permet d'un petit changement? Changement pour une année prochaine, évidemment. Quand il commence son activité en janvier de l'année prochaine, il faut un changement. Parce qu'il tout peut changer. Je peux découvrir partout. Je peux redresser les courses. Je pense que dans un sens, c'est une bonne chose, moi. Parce que si je suis capable d'amener une certaine innovation et que je suis capable d'amener l'industrie bien plus transparent qu'il était à ce stade-là, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Si parce qu'il connaît que moi je fais quoi d'affaire le MTCSL qui m'a pris le nom et contre eux, mais seulement quand vous avez tout à fait reste en place. Et là, qu'est-ce qui se passe par exemple? Le patron par exemple, chaque semaine peut repousser. Là, je dis passer repousser. Mais il peut l'abus, il peut la fin. Il reste rouler même. Je dis tout le monde à la tête de mon département. Qui je même je quand vous êtes passé je passe d'office je même je pas capable vivre pour des yeux
Donc, tout autres comme ici, tout fait un entraîneur, tout fait un certain steward, tout fait un autre, il ne rentre pas ici, pas là. Mais comme ça, on va ramener. On va amener des gens motivés, des gens qui ont des compétences. On ne peut pas mettre une famille protégée, un tel, on ne peut pas arriver. À cause de ça, qu'il est host Racing Division, il crée. Pour qu'ils soient capables de mettre le changement. Alors, on ne pas oublier, tu as la commission d'enquête aussi, qui mentionne beaucoup, non, là-dedans. Avant, ça disparaît. Ça disparaît. Mais c'est là-bas, non, là-dedans. C'est là qu'il y a des clics qui restent. Il y a des gens qui ne reprennent pas tout, qui, avec l'aide du gouvernement, ne sont capables de faire une affaire. Mais Bougla est malin. Bougla est malin. Bien, connaît, reconnaître un dimon pour son intelligence. Ravi qu'on est en train de manger pas difficile, il m'a accepté. Il m'a accepté qu'on est en train de pas difficile. Bien reconnaître pour son intelligence et pour son caractère. Mais pour qu'il vienne là, il est sous l'armée d'un gouvernement, il dit qu'il crée une autre intelligence, il permet de souval, il permet de vitamines, il permet de manger, il permet d'entraîner. Ou facile qu'il y a un guéri, Bougla finit en plein d'entraîner. Le guéri va finir en plein d'entraîner. À l'image des 4 paroles. Mais c'est pas quelque chose de pas bon, mais c'est quelque chose d'innovatrice. Il crée son entraînement, il peut faire amène sous balle, amène sous hockey. Mais il dit bon, ça te fait, mais je vais faire ça. Bien avant, lui, il fait ça. Avant, te fait, tu amènes ses balles, après, il fait vendre. Il fait l'arrêter. Continue à amener, fais profit, fais l'arrêter. Ouais, c'est eux, même ils donnent la chance, même les autres. Mais oui, vous avez protégé un seul du monde parce qu'il y a une commission. Oui, bien sûr, au cas où répondre à ce qui Mourad fait dire, mais nous pouvons envie de connaître l'opinion de Horse Racing Division. Moi, j'ai un petit point avant qu'il m'ouvre le Horse Racing Department. Bien sûr. Vous connaissez, moi, j'étais un petit peu en général, je voyage un peu partout, dans tout l'endroit. Et Mourad, mon cas, c'est que Mauricien, c'est une race Zougadea. Oui. Incroyable. 100%. Mauricien, Zougadea. Zougadea, il joue le football, il joue les courses. Et ils jouaient le triloto. Le triloto. Mercredi, mon madame dit moi, à la le triloto, à cause de la prière, vous connaissez, nous faisons la prière, nous tentons nous sens. Un petit million. Moi, je suis hésité, je suis pas trop content, je suis pas believe là-dedans. Ouais. Mais mon madame dit moi, il faut dire, moi, c'était le tri pour moi gagner le tri. Moi, j'ai dit, ok, moi, quand tu veux un roupie, moi, je mets la quai, moi, tu as 6 dimons devant moi, après, moi, je vais aller, moi, 10 dimons devant moi. Vous connaissez qui fait, vous tentez à cause de le tri là, mercredi, tu as 15 millions. Mais vous trouvez Mauricien, il tente ce sens, il joue. Mais vous gagnez tous les samedis. Donc vous pouvez dire une nation zougadère. Nation zougadère. Avec le respect. Avec, hein? Non, mais c'est vrai. Ouais. Et à cause de Mauricien, il est content. Et surtout les courses, il est content des courses. C'est ça, une affaire qui nous besoin tout le temps nous dire ça a 7 qui nous est là, entier le monde. Nous sommes dans un grand pays. Ok, Maurice, nous avons juste 1,2 million d'habitants, nous marchons bien petit, mais quand même, nous avons à peu près 200 000 personnes qui comptent les courses. Nous avons 100 000 personnes qui jouent les courses. Qui dit 20 roupies, qui dit 50 roupies, qui dit jouer. Ça veut dire beaucoup de personnes contribuent dans cette industrie-là. Se contribuer. Mais, il y a une affaire qui est bon qui veut dire, malheureusement, qu'il y a les autres personnes, les autres affaires qui gagnent casse. Par exemple, un personne qui fait papier, qui met dans le box ou ça dit, mon petit trou, il commence, pas un petit camion, malang. Je dis, mon il y a une propriétaire, 3-4 camions. Ça veut dire, il paye un casse dans les courses. Ouais. Manger, c'est mal. Un du monde, il exploite un pot de manger, il gagne son casse. La pharmacie, il gagne son casse. Tout ça, mon petit là, il gagne une autre vie. Mais, vous trouvez, l'industrie, les courses, là, lui-même, il n'y a pas de gagner, qui fait, comment on veut dire, ça m'a cassé, ça, tu besoin de vin pour lui, qui commande les autres, peut prendre. Mais vous pensez qu'il y a beaucoup de petites affaires qui, à côté, sont capables d'improver l'organisation, les courses MTSL, prend une certaine bande d'affaires priorité. Après, une partie des besoins relâchés, ils laissent les autres affaires, par exemple, travailler, palfonier surtout, les autres, comme dire, à travailler dans une petite compagnie maintenant. Ils trouvent une formule pour capable, comment dire, ramener un PKS plus pour capable organiser les courses. Et ça fait un autre point encore. Et avant nous venir au Horse Racing Department. Rapidement, du parler presque à la fin de l'émission. Vous connaissez Bookmaker. Bookmaker, à l'époque, vous étiez dans ban Bookmaker partout, dans tout l'endroit. Moi, déjà, à Flac, à l'époque, 3-4 ans d'ici là, dans Flac, moi, déjà, à dans un Bookmaker qui était ban off-course betting. Comment dire, sans démarche là-bas même, il y a un grand écran géant, beaucoup de monde qui peut jouer. Mais vous pensez, ça m'a fait là capable de réramener. Vous connaissez le gouvernement qui arrête les. Mais MTC, of course Bookmaker. Mais vous pensez que ça m'a une petite affaire là, si capable de faire pour capable amener un petit peu plus casse
dans les améliorer un petit peu la situation. La situation. Pour venir au point horse racing department, qui fait aujourd'hui un horse racing department. Vous pouvez trouver normalement dans tout monde affaire betting, nous qui est le triloto, les contrôler par la DRA. Ça veut dire quand où est en betting, quand où est en l'argent public sur l'argent ça. Il définitivement il faut bien contrôler par l'autorité. Ouais. Mais vous pensez c'est ça à cause ça qui est un horse racing department qui est capable de contrôler un petit peu ben l'argent rentré sorti. Et aussi nous pas causer encore MTSL à l'époque MTC dit roule comme une non profitable company. Un club. Club. Aujourd'hui libéralisé vin en compagnie maintenant. Aujourd'hui tout à fait au pays TVA. Tout à fait. Comprends. Mais moi, vous pensez nous pour aller dans une bonne voie, il pourrait y avoir un changement, mais nous besoin d'être dans les thèmes positifs, Vinay. Écoute très rapidement, Guillaume. Bon, moi, pas pour, moi, pour bref, mais des invités finis et tout. Et normalement, si nous guettons bien, tout bon rapport qui nous a amené, qui nous a implémenté, mais qui a un grand expérience, Vinay, nous mettre sur la table, au final, il n'y a aucune implication, personne de l'EMTC, ça n'a pas un rapport là, ça n'a pas un point dans le rapport là, à l'échéance. Donc, vous pouvez dire, fin de faire rapport, juste pour essayer comme ça. Exactement, si nous dépensons gros casse, après, nous ne faisons pas rien. Mais pour venir à Horse Racing Division, je pense que si demain, je peux venir à la tête du produit hippique même, nous faisons calculer un produit. Parce que pour nous arriver maintenant, nous faisons vendre nos produits. Hein? Je pense si le gouvernement il trouvait qu'il y a une certaine défaillance ou whatever, et qu'ils t'amènent beaucoup et qui quelque part se ramène sa confiance publique là, parce que comme Mourad a précisé, qu'on peut trouver l'enquête peut rouler. Mais quelque part, Dimouna, aussi pour dégoûter, il n'est pas pour produire les courses. Comment pas, et pas, c'est pas le public mauricien, le touriste. Aussi. Il n'est pas pour trouver une certaine transparence dans nos produits. Nous faisons calculer comme ça. C'est ça qui le public peut roder, c'est ça. Nous faisons valoriser ça produit-là parce que. Si vous êtes bien, vous référez à le produit hippique à Hong Kong, il génère beaucoup d'argent. Et qui génère beaucoup d'argent, il prend beaucoup magou. Il m'espérait que le Horse Racing Division pourrait aussi amener une certaine stabilité. C'est toute la transparence. Voilà, une certaine transparence pour référer le public. Qui est un regol, tout ce qui peut passer aussi. Voilà, le produit. Parce que, justement, Mourad Kiapa, ces temps-ci, surtout, quand on écoute un petit peu Ban Surface, il y a un thème qui peut revenir bien souvent, c'est les consignes gâtées à ce terre. Qui bizarre fait gâtées là, c'est le petit mot, de dire les courses volées. Pas pour servir Ban. Non, c'est vrai. Parce que moi, en tant que. Allez, disons mon participant. Non, mais ma question, c'est comment finir arriver à une situation pareille et qui bizarre fait, c'est quoi la solution? La dernière fois, on dirait dans une émission ici, qui. Ce qui. Pour que tu aies bien confiance, il fallait que les courses se déroulent propres. Il fallait qu'on bien rétrograder, que la suspension bien donnée. Et non pas qu'être figuier, Félix. Tu serais de l'armée commissaire, ça. Ah, c'est un commissaire qui, depuis plusieurs saisons, nous peut trouver qui il a deux poids, deux mesures. Mais nous, tu as fait nous guetter. Nous dégoûter, nous pas envie. Quand tu as fait dire qu'ils ont dit les courses bien arrangées, nous peut coquin, nous voler, nous coquin, pas ici, pas là. C'est le feeling qui tu as pu dégager vraiment. Dis vrai ce qu'il veut dire. Parce que j'ai dit des courses sales. Des courses sales, pas menti. Dis vrai. Mais est-ce qu'il est parti comme ça avant? Parce qu'il y en a quand même petit avis. Oui, mais comme ça. Mais oui, commissaire, tu peux strict. Commissaire, quand même, comment? Tu peux donner la confiance que tu as pu ce qu'ils ont, il faut te gagner. J'ai dit pénal. Donc, peut-être que tu n'as pas de sanction. Tu n'as pas de sanction, tu n'as tout pas d'affaires qui visent. Si tu peux aller, il est bien minime, il est bien moins. C'est parce qu'il prend du monde faible ou il passe faux. C'est un qui m'a dit au début de l'émission, sans ce moment-là, il vient là-bas. Ce n'est pas le HRD qui se amène ça. C'est le club même dans lui-même qui vient innover, mettre du monde compétent, mettre du monde qui a une vision. Je dis, ne pas si vous trouvez dans une situation comme ça. Parce que, comme Rabin dit, ce n'est pas si c'est Banna qui vivent. Disons, nous prenons pas le prédit qui a la paie minime. Ok? C'est Banna qui travaille plus dur, mais qui a un travail. Ben là, pas qu'on samedi, pas qu'on dimanche, pas qu'on congé, pas qu'on le 1er janvier, pas qu'on Diwali, tout ce qu'on appelle là, c'est le travail. Parce que ces animaux, ils ne sont pas qu'on causer, ils sont bien occupés.
Mais ça m'a dit, si aujourd'hui je vais bien un travail, c'est toujours une famille qui souffre. Alors, ce n'est pas ça du monde qui doit faire là, ce n'est pas ça du monde qui travaille directement lié à ta faire là. C'est tout l'engrenage. Un effet multiplicateur. Oui, ouais. C'est pour ça que le club lui-même, tu bien connais, qui quand tu fais des fêtes, amène un changement. Change ton modèle, change tes choses, amène du monde, donne confiance publique, donne ma nouvelle idée. Comment, j'ai bien fait, tu fais 10 les courses une fois au Médène. On a retrouvé ça. Nous comptons, les courses se tournent sur 90 mètres. Ok? Nous ne sommes pas contents de ça, nous. Bon, ça, c'est un autre débat. Non, il y a un autre débat, mais tout ça, là, il faut en partie. Mais parce que nous pouvons faire une affaire qui nous pas contents de ça. Nous pouvons faire bête, ce qui peut rapporter un revenu au club, dans une affaire qui nous pas contents. Parce que nous gagnons ça même. Au contraire, je suis content de manger ce poulet. Vous venez, vous faites des affaires, vous dites, mange ça. Mais bizarrement, c'est parce qu'il faut payer la poulet, là. C'est qui peut faire, nous. Il peut donner un produit qui nous pas content. Alors, ce qui peut rouler, Lucas. Avirawa, quelle est la solution? Allez, parce que les courses, comme on dit, les courses pas claires. Et mon point d'un petit peu, 10 ans avant, à l'époque, où tu gagnes, ben, les courses, il y a beaucoup de compétition. En termes, il y a un bon jockey qui peut venir. Et quand on a un bon jockey, on a beaucoup de compétition, les courses-là, c'est intéressant. À cause de ce qu'il y a dans n'importe qui sport, Mauricien, public là, dit content, get bonnes affaires, jolies et compétition. Ouais. Mais après, dès 5 années, on remarquait qu'il peine à la compétition. Même ban Seval qui peut venir, ou un Ndékéré qui vient amener un Seval, dès qu'il domine tout, après, on a 8 de l'autre côté, il peine à la difficile. Ban les couches, surtout, ban les couches, ban les groupes. Normal, Seval, il coûte casse, Fred coûte l'argent, tout ça là, nous comprend. Vous devez tout ça là, c'est un détourioué dans le sens, c'est qu'il manque de compétition. Après, il y a une petite affaire, je voyage souvent, même en Inde, c'est un bizarre de prendre un exemple, même en étranger, en anglais, puis dans l'Inde, puis il parle en train de cheval. Ça veut dire, même en Indien, trouver qu'il y a besoin de la compétition différente. Et vous connaissez Mauricien, vous connaissez beaucoup de camarades, vous connaissez un propriétaire, je dis que c'est un propriétaire qui fait les tours sans les bosses. Ouais. Dans 5 années, il y a 6 entraîneurs, il y a 7 entraîneurs. Arrive un moment, il y a 8e, il y a mon arsère, c'est un mot qui démoine. Mais, avec tout respect, mon doigt, ban entraîneur qui est là, vous connaissez un ban entraîneur, je ne suis pas compétitif. Il est comme ça. À cause d'arriver, il y a un ban du monde découragé. Quand vous rentrez, quand vous avez 7 chevaux galopés, vous avez 10, il y a un danger, mais 5 bains que ça. Mais plombé, du monde n'a pas fait les courses. Après, il y a ça gaspillage. Il n'est pas intéressé avec ça. Le goût, il perd du goût. Il n'est pas à cause d'avoir les courses, on finit de connaître sa soie là, mais il ne peut pas 4-5 longueurs. La compétition aussi, ça aussi, il paye non. Ça attractionne l'infini du monde pas trop. Avant, à l'époque, on avait un comme un botanique, Pégaloupé, les turbos, Pégaloupé, World Focus. Mais du coup, on vous rappelle ça, Coupe d'eau 95 là. Exactement. Moi, je me rappelle, tu es dans son démence, c'est une médaille, oui, non. Plein du monde. Aujourd'hui, du monde par où de venir, en disant, mais correct, les compétitions là, pas terrible, ça, c'est vraiment un galopé, il faut gagner un peu, monsieur, ça, il faut payer, dis ça. Vous trouvez là? Ça aussi, il y a un grand impact. Et quand on dit, là, Michel Issim, il a acheté beaucoup ses balles, il permet d'un entraîner depuis là-bas. Peut-être que ça pourrait être un changement. Peut-être que l'Australien, pour ceux dans l'Australie, il est capable de voir Maurice. Et donc, il y a une compétition. Il y a une compétition. À cause aujourd'hui, comment on pourrait dire, ça a du monde qui jouait sur 100 roupies là. Ça a du monde qui peut jouer 100 roupies. Avant, il y a dans des courses, il y a 10 ses balles galopées, il y a 5 qui sont capables de gagner. Mais si tu peux jouer 100 roupies, mettons, il y a 100 roupies pour gagner 500 roupies. Ce cheval pour galoper, pour gagner. Je dis, avant du monde, il a joué un cheval 135 coupes. Il n'a pas joué, il a pour gagner ça, il ramasse au casse. Mais ça va l'argent, même qui tu peux rentrer dans les courses, qui tu peux faire ça plus là. Vous comprenez, dans l'ensemble, nous devons calculer, ce n'est pas juste illégal, betting, non. La compétition aussi, il n'amène pas plein de casse dans la caisse du MTC. Ça, c'est un petit peu mon analyse, moi, comme un Rossman. Et si je mets un jour, dans 2-3-4 ans, mon vie, un prendre des quéries, ben, je peux calculer 20 fois. Beaucoup plus, pour, quand on rentre dans l'industrie là, à cause c'est une industrie, je suis capable de dire où, beaucoup d'entraîneurs, ben d'investisseurs qui rentrent dans les courses, ils investissent pour centaines de millions, après 10 ans, je ne paye tout une année. C'est pas de l'argent qui pour vous dire où investir 1 million pour gagner, ou pour gagner 6, 50 000 roupies. Ah, non. Non, menti. Peine à garantir. Je dis, mon propriétaire, parce que c'est un 1 million, 2 millions. Là, les villes Maurice, ils disent des saisons. Après des saisons, tu veux soit un problème. Berster, troisième année, la personne, le propriétaire qui perd ses salaires, il n'est pas investi. Il retient, il vaut mieux, c'est une plus belle loto, il roule dans l'hôtel, comme ça. Quelle est la solution, Guillaume Premier?
Bon, moi, le problème, la première, par exemple, les coûts sont les mêmes, les tiennent un certain monopole. Okay? Maintenant, si vous regardez bien, le football, il vient ajouter dans les courses. Donc, c'est une compétition. Si aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de fils, ils quittent les courses de la plutôt vers le football, c'est quelque part peiner certaines confiances. Bon, vous donnez un exemple très flagrant. Tout bon président qui vient, je dis comme ça, qui je peux faire l'enquête, les courses en direct. CCTV. Aujourd'hui, pena. Nek vini longtemps, je te dis, et si vous êtes ben écoute vidéo, ben commissaire, je viens expliquer qui fait une rétrograde, le qui grand une rétrograde, ça c'est mal. Ah c'est un pena. Mais les publics tiers fils, c'est normal. Bien une transparence. Mais si bien la transparence, ça veut dire quelque part, c'est en tout même, mais sorry, non, plutôt vers un produit qui nous trouvait et quelque part si ça groupe d'immunas se paraissait valoriser ce produit là et un précipice voilà. Malheureusement, nous arrivons à la fin de nos émissions, le mot de la fin, vous savez combien, Guillaume Premier? Bon, moi j'espérais que le gouvernement avec le MTCSL se tressait à cause de violon parce que si pas prenait aucun narco quelque part nous pouvons le MTCSL pour donner une certaine. Enfin, nous, voilà, il pour donner une zone noire. Et nous espérer, dans sa zone noire-là, c'est Ben Dimoun qui, au plus bas de l'échelle, qui pas souffrir sa, sa classe-là, nous pouvons dire, en grosso modo. Le mot de la fin, Ravi Rava. Oui, on prend un 6 minutes plus. Et, moi, tu as dit des trois solutions. Il y a beaucoup de solutions pour redresser les causes. Par exemple, pour penser, moi, on est comme à zéro semaine, bizin turf club donne plus beaucoup l'entraîneur. À cause du on n'a pas nouveau Dimoun, envie de gagner nouveau l'entraîneur, je n'ai envie sans Dimoun. Je gagne confiance avec le man des autres. Même on a 50 trainers license, même pour gagner 3 chevals, 4 chevals, Leslie. Je dis en Tim Maurice, on a un club, on a un centre. Vous pensez bien sans ce business model là. Et l'autre affaire peut-être l'année prochaine, si Ban Bookmaker commence travail, turf club bizin capable de dire Ban Bookmaker eux-mêmes. Quand on peut cause illegal betting, à cause de la bookmaker qui résiste même qui fait illegal betting. Moi, je crois, ok, pas de problème, vous pouvez travailler, mais ça. Ou en 40 bookmakers, tous les semaines, dans une journée, je te sponsor eux-mêmes. Ou bien, capable d'amener innovation. Ban bookmaker, là, je te sponsor un des courses, deux des courses, trois des courses, comment une sponsor ou même, je peux, au lieu de prendre leurs enlants, de contribuer. Ça veut dire si un bookmaker est capable de sponsor 1 million roupies dans si vous avez 40 bookmakers, 40 millions roupies, vous pouvez save. Et aussi, une affaire très importante, tout le temps, mon ça, la formation très, très importante. À cause si dans n'importe quel secteur, dans le tourisme, dans la pêche, je dis, mon grand-mère, je ne passe pas quoi, je peux montrer mon madame, je dis, je n'arrête pas de planter l'équipe, l'eau la terre. Ou dans la terre, on peut prendre l'eau la terre. Vous voyez, l'eau la terre, on fait la terre en bas, on fait man stand, c'est innovation. Aujourd'hui, on peut besoin de former man staff. À cause de la formation, c'est la clé de tous les problèmes. À cause, c'est un secteur qui amène beaucoup de casse dans le pays, beaucoup de familles vivent, ou besoin capable d'aider. On peut dire gouvernement, il a pour aider l'industrie là, mais on besoin faire un plan qui est capable d'aider la société. Le fait encore, ou bien amener des gens compétents. Et les gens qui sont dépassés. À cause aujourd'hui, moi, je dis dans le sens, et les gens qui restent dans un royaume tout le long de la vie, ils croient que c'est un monde. Bien amener des gens qui voyagent dans l'océan, qui connaissent là-bas comment difficile pour capable régler un problème. À cause des gens, quand il y a la qualification, quand il y a l'apprendre, vous trouvez qu'il y a une solution. Mais par contre, les gens qui apprennent dans l'État. Par exemple, un Dimoun, il est infirmier, 30 bananes, il est un docteur. Il n'est pas capable de trouver une solution. Et il y a beaucoup de affaires très, très importantes. Il y a beaucoup de solutions qui nous capables de redresser les causes. Mais, bizarrement, il y a un Dimoun compétent, un Dimoun qui a la volonté, qui est capable de venir aider l'industrie. Moi, comme moi, je dis, pas mon gagne, pas les causes, mais moi, j'ai la gratitude envers l'industrie, les causes. Je dis, ce qui vous gagne, c'est l'industrie de moi. Mon apprendre. Et à ce qui nous capable de donner, c'est un Dimoun comment nous capable de partager. Quand la quantité de voyager,
c'est mon âme tout le temps apprendre pour capable venir partager. Mais si nous gagnons tout beaucoup de personnes, nous non beaucoup dans Maurice, nous gagnons beaucoup de monde qui est dans la volonté et ben du monde intelligent, ben membre du MTC capable de donner un coup de main, c'est moi. Mais vous besoin les autres, vous êtes demandé avant, vous êtes demandé coup de main et donne sens. Vous dire solution et dans 1000 solutions. Mais c'est moi besoin capable assiser ego, faut des pas dire ça n'a plus qu'on qui soit camarade. À cause ça dernier petit du monde là aussi, ça dernier petit du monde là aussi capable amène ce petit bout plus quand il est capable et de l'industrie là. Mais pour à la fin, Vinay et Mourad, moi, Mourad, au fond du cœur, je suis bien content que MTC, SL et gouvernement gagnent bon la qualité. Et pourquoi tout le monde se gagne, comme Mourad, Mourad, content les courses, content ses balles, et c'est un patrimoine, et tout le monde pour ça. Mais il y a une petite affaire, mais je suis bien content qu'un nouveau champ de course ou un nouveau centre d'entraînement. Nous gardons MTC, nous gardons Sandy Moss, capable de faire 10 les courses dans l'année, mais au bizin, il y a un nouveau champ de course pour capable dépasser. Pour capable relever l'industrie les courses dans Maurice. Et je crois, et nous aimons le bon voie, et nous souhaitons que pays là, dans 2-3 ans, nous capable de récupérer un petit peu avec le Covid. Et ben moi, je souhaite tout du monde bonne chance, c'est tout. Le mot de la fin, Mourad Kiappa. Bon, c'est Rabin cause tout. Bon, c'est India. Tout ce qui. Moi, je suis pensé. C'est qui. Moi, je pensais qu'il s'y arrivait. Il y a un accord entre le MTCSL et le gouvernement. Ça pourrait amener à une bonne chose. Si ce qui pour qui parle, il n'y a pas bien de monopole à la fin. Bon, on sait que ça grandit l'industrie là, pas qu'à donner celle du monde de son armée. Le club, il dirige, il organise des courses, il dirige des courses. Comment il est capable. Bon, on arrive à un moment qui l'une dégringolée, oui, mais c'est moi, je tenais l'expérience voulue pour capable remonter. Comme Ravin dit, qui bien mettre des gens compétents et des gens qualifiés de bonne place qui bien, et non pas prendre un petit copain, mettre côté de ton vie. Après, à la fin, dans 2-3 ans, on trouvait tout une coulée. Je pensais qu'avec le HRD, le DRA, la police des jeux, et je tous y mettre la tête de travailler ensemble, le produit pique pour une jolie. Et là, capable de regagner confiance tu as fils. Parce que le plus important, c'est tu as fils bien la confiance dans les courses. Et à ce moment, nous prenons une jolie compétition. Et une jolie compétition pour apporter gros à l'industrie. C'est ce qui m'a souhaité, c'est qui de trouver une solution pour qu'ils soient capables de bosser dans le bon sens. Merci beaucoup, Guillaume Premier, au fin d'accepter nos invitations. Merci également à Mourad Kiappa. Merci, Vinay. Merci beaucoup, Ravi Rawa. Oui. Et merci à tout ban internaute. Et tout bon fils qui finit sa émission là. Merci beaucoup et nous souhaitons une bonne soirée. Et nous pourrons.